se retrouve pour le 10e épisode, si je compte bien, si j'ai bien tout suivi. Donc on essaye encore d'organiser un petit peu tout ça. On attend des colons. Je ne sais pas qu'est-ce qui va déclencher l'arrivée de nouveaux colons, à part l'influence de la région. Oui. Il augmente également dans la région. Ouais. Ça m'aide pas beaucoup. Bon, bah. Ça, ouais. On verra. Faudra que je cherche vraiment. Faut vraiment que je me renseigne. Voir si je trouve l'info. Voilà, 3 h du matin. Ils font le gros dodo. Marie, elle est où? Elle est là. Elle en est où de ses compétences en botanique? Elle n'a pas vraiment augmenté ses compétences en botanique. En même temps, elle s'en occupe plus beaucoup. Je pourrais peut-être lui faire... Ouais, augmenter la taille du champ. Le champ de chou. Ce qui m'embête, c'est que là, j'ai bloqué avec mes groseilliers. Ou alors je décide de mettre mes champs ailleurs. Alors, ici. Il faut que je les déplace. Donc ça veut dire qu'il faudra que je détruise ça là. Donc, ouais, on va faire ça. On va tenter de faire ça. Alors, champ de chou. C'est parti. On va mettre un grand champ de chou ici. Comme ça. Plus grand. Je fais grand. Je sais pas si elle arrivera à tout. À tout s'occuper, on verra. Allez, tu vas faire un grand champ de choux, Marie. Bah, à tous les coups, c'est pas elle qui va venir, hein. On va voir. Voilà, j'en étais sûre. Osmond, il est partout. Mais Osmond, ce serait bien qu'il aille à la chasse. Trouver un. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Là, j'ai un grand cerf. C'est que des jeunes. Je sais pas le temps qu'ils mettent à grandir. J'ai deux filles. Si j'ai que des filles en cerf, ça va être compliqué, hein, pour faire des bébés. Ouais, il y a des filles en cerf. On peut en tuer une, quoi. Allez. Alors, on peut élever les cerfs. Ce serait peut-être pas idiot que je fasse ça aussi. Mais alors là, elles leur font un grand enclos aux cerfs. Normalement, des cerfs, t'as pas besoin de leur mettre d'abri, si. Ils peuvent mourir, c'est ça qui est embêtant. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, c'est... C'est l'orge et le lin qui poussaient dans la maison. Ils ont pas fini. Plus de graines. Ben, du coup. Ben, je peux démolir le champ de chou alors. Hop. Non? Il veut pas démolir? Ouais, mais si je veux. Comment on fait? En coupant? Ouais. Bon, on va couper tout ça. Parce que du coup, j'ai du chou qui va pousser là. Si ça va marcher, hein. Est-ce que ma... D'accord, maintenant je peux. Non. Oh non.
l'impression que je peux pas détruire un champ de... un champ. Ouais, mais si je veux quand même. Si, je veux faire ça. Voilà. Ouais, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Je vais faire des grands champs là. Je vais donner la possibilité de les étendre. Bon, il n'y a toujours pas de nouveaux animaux qui est arrivé dans la zone. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça. Voilà. Là, je pourrais faire un deuxième. On va faire ça. Mais je vais pas nous faire de nouvelles tables de travail. J'ai pas assez de colons pour tout faire. C'est déjà n'importe quoi. Est-ce que j'ai de la terre en réserve? On va récolter de la terre. C'est bizarre, on va récolter de la terre. Allez. Là. Le charbon, je suis sûr que ça va m'être utile à un moment. Ils sont où déjà mes pommiers? Ouais, ils sont là. Ouais, ils poussent super près de la maison, quoi. Oh, elle augmente son niveau en cuisine. Ça va bientôt être mangeable ce qu'elle va faire. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas assez de ressources. Il y en a de la viande là. Ça va venir. Hein. Et le fer? On en est où? Deux, trois, il y a un bébé. Il y a un bébé chèvre. Compétence en botanique. Bah ouais. D'accord. Et lui aussi, il est capable de planter des pommiers maintenant. Pour l'instant, il s'occupe des carottes. C'est bien les carottes. J'ai plus de voix. Alors. Tout le monde est occupé, personne glandouille, c'est bien. Ben voilà. On peut faire l'âtre. Tout ce qu'il faut, très bien. Ah, c'est sympa les carcasses qui traînent au milieu, quoi. Vous pouvez ranger les gars, hein? Bien. Alors, faire des repas, c'est important. Et pas Marie, hein. Faut pas que Marie elle s'en occupe par contre. Légumes marinés, oui, un peu de légumes. Nourriture pour animaux, pour l'instant. Ça va aller, hein. J'avais pas assez de graines de chou pour finir tout ça. D'accord. Recherche disponible. Encore. Ouais, bon, on va attendre un peu quand même. C'est quoi ça? C'est le chien? J'ai pas vu de chat encore. À côté. Ah, c'est des cendres. Matériaux bruts. Ouais, bah, on peut faire des choses avec les cendres. Ok. Ça, après, ils vont combler.
Si j'arrive à me mettre où je veux. Là et là. Dans un premier temps. Ah, ils vont au dodo. Ils vont au dodo. Un plus grand enclos pour les vaches. On va le faire. Hein. Faut le faire de toute façon. Hop. Qu'est-ce qui me gêne? Rien du tout. Alors. Ça, c'est pas mal ça. Hop, 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 hop. Parce que théoriquement, c'est les vaches qui me donneront en premier. Si ça se passe comme dans l'autre partie, ça sera ça. Alors, un mur, toujours en calcaire. On va faire dans des tables. Voilà. Comme ça. Tac, là une fenêtre. Pourquoi des fois j'arrive pas à poser? Ça a besoin de place quand même, les vaches. Hein. Voilà. Hop. Non. Hop. Comme ça. J'ai pas fait assez de murs. Si elle passe une porte comme ça, ouais, comme ça on va faire, tant pis, on verra bien. Là on mettra les poulets, là les vaches, et après on verra pour les autres animaux quand ils arriveront. Parce que je sais pas du tout comment les animaux sauvages se remultiplie, enfin, ça faudrait que je fasse attention quand même. C'est quoi ça? Charbon, charbon, ouais, il n'y a vraiment que du charbon. Il n'y a plus de terre. Il n'y a plus de terre. Et ben, enfin, je crois que ouais, mais... tac. Tac. Voilà, on fait tout ça de terre. On suit au loup, hein, je sais pas qui là que j'ai vu. Karl. Ouais, s'ils viennent à plusieurs en plus. Non. Ah, il y a un bébé loup. Il y a un bébé loup. C'est encore quelqu'un qui va manquer. Ici, c'est quoi? Sol rocheux, ouais. Sol rocheux, calcaire, terre. Ok. On va prendre. Parce qu'on a les deux en fait. Remblayer avec la terre, ça c'est bien. Ah. Et là. Terre. Oups. Voilà. Très bien. Bah oui, il faut.
faut que je mette aussi à manger pour les animaux. La musique. Non, c'est pas ça. Un bûcher, moi. Bon, allez, un bûcher. Non, on met pas de bûcher. C'est là. Les poulets. Puis alors, les vaches. Voilà. On aura des vaches. C'est un chat? Oh, c'est un chat! Attends, pose, pose, pose. Dresser, abattre, libérer. Ah, mais il est déjà domestique? Il est dans votre colonie. Mais moi, je veux le dresser. Un petit minou. Voilà. Oh, c'est trop bien. C'est quoi, mon chat? Un mâle. Lechon. Chalochon. D'accord. Il va manger les rats. Bien ça. C'est utile un chat dans une ferme. Il faut que je surveille parce que ouais, des fois. Donc les chats et les chiens, on les domestique. Enfin, on les dresse. Oui, on dresse un chat. Je vois pas ce qu'il y a de choquant. Bien. J'aurais pu quand même cocher poulet, cahou. Au cas où il trouve du poulet. Hop. Et toujours pas de nouveaux colons. Ah. Allez. Faire la balise. Et là, une bise qui n'a pas assez de poids. C'est pas grave, on va abattre. Du bois. Bon, j'ai planté des arbres, mais ils poussent pas assez vite apparemment. Ok. De toute façon, ça va être la nuit. Il va bientôt falloir faire dodo. J'ai peur qu'elles soient les trois quand même, mes chèvres. Ah, c'est maintenant qu'elle va couper les arbres, elle. Elle est courageuse, Marie, quand même. Allez, coupe, coupe. Autant les faire. Allez, va chercher du bois. Oh, regarde le loup. Qui c'est qui dresse le loup? Non, il est en train de bouffer mes trucs. Ah, il bouffe ma viande. Saloperie. Ouais, il est sauvage. Ah, d'accord.
par la valise. Très bien. Alors ici, ce sera... Et où ? Voilà. Et ben voilà. Et bien sur ce, je vous dis au prochain épisode.